Vous regardez régulièrement Alsace 20, vous nous aimez bien et on vous en remercie. On parle à présent de télévision. Sachez que la télévision, l'internet, pour 5 euros en Alsace, c'est possible. On est avec Didier Jean-Zac. On est ici dans le centre névralgique, j'ai tendance à dire, de Numéricable, autour de Strasbourg, ceinture, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Nous avons 3 centres névralgiques dans le secteur. Nous avons effectivement un ici à Schiltigheim, un à Ingolsheim et un sur Strasbourg. Alors je voudrais qu'on parle de haute technologie. On est nombreux à aller sur Internet via l'ADSL, via du haut débit. Vous, ce que vous avez développé, c'est minuscule, c'est de la fibre optique. Tout à fait. Nous avons posé la fibre optique partout dans Strasbourg, quasiment 90% de la collectivité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous proposons des services jusqu'à 100 mégas, demain jusqu'à 200 mégas. On parle de télévision haute définition. La haute définition chez nous, c'est ce qu'on appelle du Full HD. C'est-à-dire qu'un programme... La qualité est top. Top. Un programme, techniquement, on consomme 13 mégas. Et bien les 13 mégas, on les donne, on les diffuse chez le client. D'où effectivement une qualité d'image exceptionnelle. Est-ce que cette qualité d'image est possible également par les ondes? C'est-à-dire, vous le faites par la fibre optique. Est-ce qu'on peut avoir 100 mégas par les ondes? Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de système qui permet d'avoir 100 mégas. Le seul vecteur qui permet d'avoir du très haut débit aujourd'hui en France, c'est la fibre optique. Alors là, Didier, on découvre ce qu'est la fibre optique. C'est minuscule, c'est un cheveu en fait. Ah, c'est vraiment, c'est quelques microns. C'est vrai, c'est un fil de verre. Hein. C'est vrai que c'est remarquable parce qu'avant, on faisait véhiculer des signaux sur des gros câbles coaxiaux qui faisaient 30 mm de diamètre. Aujourd'hui, sur un fil vraiment qui a un diamètre ridicule, on fait passer des images et des traits du très haut débit. C'est vrai que c'est remarquable. Et là, j'arrive à voir et la télé et l'internet via ce petit cheveu. Télévision haute définition, internet jusqu'à 100 mégas, demain jusqu'à 200, 400, voire 1 giga. Et la téléphonie illimitée, c'est-à-dire les fixes en France et les mobiles. J'évoquais tout à l'heure la télévision, l'internet à 5 euros. Comment est-ce qu'on y arrive hein? Alors ça, effectivement, c'est rendu possible par cette fibre optique qui arrive chez les quasiment en pied d'immeuble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette fibre optique, on propose un service aux collectifs, aux bailleurs sociaux, à 4 euros hors taxe par mois, qui leur permet d'avoir à la fois la télévision numérique gratuite, terrestre, un peu de chaîne étrangère, exotique, mais surtout une connexion à 2 mégas et un numéro de téléphone entrant en 03 ici pour l'Alsace, ce qui permet de recevoir des appels, mais également d'en émettre vers les numéros d'urgence. Et là, on est vraiment sur une offre sociale à 4,28 euros TTC. Quelles sont les qualités et les défauts de la fibre optique? Il n'y a pas de défaut. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment assez de recul pour la durée de vie déjà. On sait que c'est minimum 30 ans. Maintenant, le défaut, ça va être quoi? Le seul, ça va être éventuellement des travaux dans la rue, un coup de pelleteuse. Et ça coupe. Hein. Et ça coupe, voilà. Mais... Comment vous êtes alerté de cela dans ces cas-là? Alors, chaque fois qu'il y a des travaux dans les rues, nous sommes sollicités par les entreprises. Et nous répondons, nous, ce qu'on appelle des DICT, et nous répondons en disant, effectivement, attention, dans la rue là, il y a des fibres qui passent. Donc quand vous allez creuser, faites attention de ne pas les couper. Donc systématiquement, on est prévenu. Dernier point, concrètement, qu'on comprenne bien les différences entre les opérateurs tels Bouygues, Freebox et Numéricable. Vous êtes les seuls en fait à passer par la fibre optique. Aujourd'hui, on est les seuls. Et la différence est notable. L'ADSL, on est confronté à des problèmes de distance. Au-delà de 6 km, on a quasiment plus de débit. La technologie utilisée fibre optique permet en fin de compte d'aller très loin avec la même qualité pour l'ensemble des clients. Sans déperdition. Voilà, c'est le point qu'on voulait faire aujourd'hui. C'est donc possible d'avoir et l'internet, une ligne de téléphone et la télévision, bien évidemment, pour moins de 5 euros.